Je trouve ça, je pouvais même pas faire ma sieste. Mais t'inquiète. Non mais si, t'auras le temps de faire ta sieste. Non mais tu sais qu'il est que 14h là. Là c'est vraiment le début de la journée. Putain mais comment je fais? Comment je fais pour essayer de trouver la dernière... En fait c'est une espèce de plante dans un pot. Mais j'arrive pas à la choper. J'arrive pas à choper la plante. Peut-être là-haut? Non mais jamais personne n'aurait foutu une plante là-haut. Attends. Non, ok, y'a rien. Mais faut vraiment que je trouve une petite plante. Mais en tout cas, elle est au club. Je sais pas avec qui, mais elle est au club. Déjà, c'est sûr. Ça doit être un truc par là, non, quand même. Il y a des plantes partout! Elles sont partout, ces putains de plantes! Ouais, ok, merci, Arca, je jure. Mais oui, ah oui, mais voilà! Mais oui, ok. Alors, je suspectais qu'elle était là. Mais en fait, c'est pas le problème. C'est comment on monte? J'ai vraiment aucune vanne, c'est comment on monte en fait. C'est plus sale. Ah oui! Oh, mais je suis un tocard. Oh, je viens de comprendre. Oh, je viens littéralement de comprendre. Oh! Oh, mais bon, c'est masterclass, hein. Je suis désolé, c'est masterclass. C'est une masterclass. Voilà. Je suis désolé, mais cette strat était une masterclass. C'est valide, mais trop stylé! Mais à 16h, je dois aller au médecin. Attends, elle est avec qui? Attends, elle est avec qui? Elle est avec Balthazar? Attends, j'ai pas eu le temps de voir. Oui, mais tranquille! C'est. Mec, ça dure 30 minutes le... avec Blazer. Ça dure 30 minutes le médecin. Je peux pas me dire que tu fais quelque chose de 17h à minuit. Tu fais une petite sieste tranquille, ou au pire, tu dormiras ce soir plus tôt. Au pire des cas. Elle est avec Balthazar au club. Ok. Je suis 2002 et toi, t'es de quelle année? Sinon, moi, j'ai écouté Hiver à Paris. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un album aussi bon de Dinos. Mais de toute façon, Dinos, il est sur une pente ascendante de fou furieux. Mais moi, en vrai, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup d'électro, de house, de disco, j'écoute du jazz aussi. Bah, j'écoute du rap, j'écoute. Ouais, j'écoute beaucoup, hein. J'écoute un peu de tout, hein. On est... Mais lui, par contre, je sais pas comment on fait pour passer, hein. Ah, peut-être comme ça. Oh les gars, je suis glitché. Les gars, il y a la moitié de mon fiac, y a mon fiac qui. Mais laissez-moi tranquille! Ok. Il me voit pas. Il me voit pas, je suis caché! Je suis caché! Oh frérot, c'est la pire cachette! C'est la pire cachette, j'attends que tout redevienne bleu. Comme ça, il n'y a pas de soucis. Ok, ça va, on est bien. Fou! Oh, on est tellement bien! On est tellement bien. Mais vraiment, j'écoute. En vrai, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, il y a des moments où j'écoute même du classique. Et après, le son, c'est une partie de ma vie, quoi. C'est. Oh non, c'est la merde! Ah! Oh, ça va. Oh, j'ai esquivé. Oh, j'ai esquivé. Oh, c'était tellement close! Et du coup, tu fais quoi dans la vie, toi, Antoine? Du coup, là, t'es en post-bac, c'est ça? Là, tu lèves l'histoire ou Weapon, sinon, le jeu auquel tu joues a l'air vraiment incroyable. Comment ça doit être... Ah, mais clairement. Bah, alors, moi, personnellement, ici, on va stream un peu tout le temps. Donc, en gros, en soi, le week-end, souvent, ça sera plus genre midi. Et attends mais merde elle est au club, elle est au club. Le week-end sera plus genre midi. Et après la semaine sera plus alors là en ce moment c'est 18h mais on va peut-être essayer plus de passer à 20h. Donc voilà on se fait mais non mais va-t'en mais laisse-moi tranquille. Mais attends mais elle est avec elle est au club. Mais elle était censée être au club bordel. C'est ça, ouais si ça sur Discord en gros t'as tout. En gros t'as le planning que je poste toutes les semaines et let's go. Attendez, attendez j'ai juste... Ah! J'ai reçu juste un message peut-être important. Et je vous dis. Putain, mais what? Ah! Et non! Je vous dis, j'arrive juste 2 secondes. Ok. Bon, ça va. C'est rien de trop important. Je ferai ça plus tard. Donc ce soir, je dois encore jouer à Rocket League. Mais non, mais dors, mon ref. Enfin, dors. Parce qu'au bout d'un moment, si tu continues avec 3 heures de sommeil par nuit, ça va pas aller, hein. Du coup, ouais, vraiment, c'est un petit peu tout le temps.
Et vous avez tout sur Discord, vous avez tout aussi. Genre, vous avez sur Instagram, je mets des petites stories à chaque fois que je stream. Putain. Celle avec Blaze. Avec Blazer. Rendez-vous au club. Bah, c'est ça le club. Non, mais c'est ça le club. On grimpe par l'arrière. Oh, on peut grimper par l'arrière, ok. En fait, le ref, c'est vraiment un connard, donc on va grimper par l'arrière tranquillement. Ok, ok, on est tellement bien. Comment il fait? Oh, ça me fume. Oh, les blaireaux. Ok, les petits blaireaux, là. Alors, comment je fais pour monter? Il va me dire peut-être pour comment on fait pour monter. Moi, écoute, je travaille dans une bijouterie, tout simplement, et toi, tu fais autre chose que le stream. Ou tu veux... Alors, bah, peut-être un jour, on sait jamais, ça pourrait se faire, mais pour l'instant, en gros, je suis... Ok, faut monter là. Ok, faut monter par là, je pense. Pour l'instant, on va dire que je bosse, je suis encore en études. Je suis en alternance et je fais du marketing digital et de la communication. Du coup, stylé, putain, une bijouterie. Let's go. Et genre, en gros, t'es arrivé comment dans ce milieu? Genre, c'est des certaines études ou... ok, stylé. Mais en vrai, non, c'est grave, grave cool. J'avoue que j'ai très peu de bijoux. Genre, j'avais des bagues et tout, mais... c'est des bagues un peu de merde. Ah, c'est là qu'il faut monter. Hop. Ok, c'est bon, on est bien. Je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qui es-tu, toi, mon ref? Ok, il s'en fout de nous. Il s'en fout littéralement de nous. Hop, on rentre dans le club. Hop là, très bien. Alors, petite rectification, Rock, tu as repris les études. J'ai dit quoi? J'ai commencé les études? Ouais, oui, pardon, j'ai repris les études, pardon. ouais, t'inquiète. Non, mais c'est des... C'est, j'ai l'impression d'être toujours... j'ai l'impression d'avoir eu juste mon bac, t'inquiète. Oui, mais en effet, j'ai repris les études exactement là pour... Avant, j'avais tenté de faire une année de césure. Pour vraiment me consacrer à fond dans le stream parce que c'est vraiment un truc qui me plaît. Mais on va dire que ça a pas marché autant que je voulais. Donc là, je suis plus dans un mood où... vas-y, c'est les études et le stream à côté, quoi. Non, mais je veux pas... Je veux Blazer. Attends, elle y a dit quoi? Putain, le con. C'est bon, mais arrête, Mati, là. T'es bizarre, toi. Alors, lui, est-ce que je peux lui parler? Non, mais je veux pas te parler à toi. Toi, je peux pas te parler, ok. Toi, je peux te parler ou pas? Putain, ils sont bizarres, les gens. Là, le but, c'est de trouver Blazer, ok? Là, il faut vraiment qu'on trouve Blazer. Le levier, il déconne. Blazer, est-ce que vous pensez qu'il est affalé tel une petite merde sur une table parce qu'il a trop bu? Le disrespect. Ou c'est... Non, lui, c'est Alex. Ok, très bien. Mais oui, mais il est trop mignon. Mais vraiment, je vous assure que juste pour ce... Vraiment, juste pour ça, juste parce que c'est un petit chat trop mignon, le jeu donne envie. Je suis désolé, mais c'est incroyable. Est-ce que vous pensez que Blazer il danse? Ok, vive. Putain, mais c'est trop stylé par contre. Hein. Ou alors Blazer il est blasé? Non, même pas. Ok, Anna non plus. Toi? Mais c'est toi le. Ah non, c'est le mec au. Non, c'est le mec au bar Bresson, les gars. C'est sûr, c'est le mec vraiment au bar là. Je vous assure à 100%, c'est lui Blazer. Ah non, ce n'est pas lui. Lui c'est le barman. Est-ce que le barman serait pas Blazer? Oh! Oh, trop stylé! Oh là là, mais la dinguerie! Mais ça a l'air grave stylé, les études, dis donc. Sinon, j'étais en SMG, du coup, j'ai pas eu de parcours sup. Je suis directement retrouvé un travail. Ok! Du coup, ça va, toi, ça te plaît, Antoine? Parce que je sais qu'il y a quand même, tu sais, des études et tout liées à tout ça. Genre, liées à tout ce qui est bijouterie, etc. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est vraiment un truc qui est, genre, très précis. Et trop smart. Et c'est, genre, petite ou grosse bijouterie? C'est une boîte de nuit de robots, ils ont pris. Ils sont cru dans Star Wars à mettre des C3PO. Bah t'inquiète, y'en a vraiment partout, y'a que ça. Attends, mais merde, du coup, c'était où? Attends, mais du coup, c'est où? Attends. Est-ce qu'il faut que je prenne l'ascenseur? Attends, parce qu'il y avait un petit verre à prendre, j'ai l'impression. Ah non, il y avait pas de verre à prendre. Est-ce que je peux prendre l'ascenseur pour monter ou pas? Ah non, pas du tout, ok, je n'ai pas le droit. Je n'ai absolument pas le charisme. Là, tac, et si je peux. La porte? Non? Attends, j'ai pas suivi là, du coup. Merde, j'ai pas suivi. Attends, on va reparler au monsieur barman. On va lui reparler. Ça marche, y'a pas de soucis. De toute façon, au pire, à toutes. Et si jamais, passe une belle soirée, enfin une belle journée, Nijax, t'en fais pas. Tu sais que je peux faire un truc incroyable. Comment ça, on peut faire quoi? Vous voulez la poignée du levier? Alors que. Ah oui, la poignée du levier. Mais qui s'est dit, vas-y, je vais voler la poignée du levier? Je suis sûr que c'est Anna. 100%, c'est Anna, les gars. Non, mais c'est Anna, là. Elle a une tête de. Est-ce que je peux les désactiver ou pas? Ah ouais, mais ok, je peux pas. Attends, mais ils ont utilisé pourquoi? Attends, parce que là, le levier, il est là, ok.
Du coup, ils ont volé tout. Donc ça, est-ce que je peux pas le désactiver? Est-ce que je peux pas voler la... Putain, mais c'est qui a volé un putain de levier? Oula. Mais tu es qui, toi? Wow, mais respecte-moi! Respecte mon autorité, je te casse la gueule! Je pense que c'est lui. Ah ouais, c'est lui. Ça, en bon sens, c'est lui, les gars. Il a volé la poignée pour... Il a volé la poignée, c'est lui! Mais je vous assure que c'est lui qui a volé la poignée, c'est sûr! C'est sûr que c'est lui qui a volé la poignée. Regarde, pour moi, il y a un truc en mode... Non, mais pour moi, c'est Bresson. Genre, tu vois, pourquoi je peux pas faire Y, là? Putain, mais chier. Ou alors là, est-ce que je peux gratter tapis? Oh, je sais pas. Perso, je suis dans une petite bijouterie. Et moi, je fais principalement la vente. Ok, donc toi, l'idée serait plus la vente ou la partie bijouterie qui t'intéresserait? Ok, donc là, vraiment... Mais c'est lui qui l'a poigné, frère! Mais quel grand con là, c'est nul ce club. Quand j'ai voulu rentrer dans leur salle, les petits crétins ils m'ont éjecté, moi tu le crois? Ah ok, donc il faut que je prenne. Ok, alors du coup il faut que je prenne à boire. Et oui, mais je veux à boire, oui. Ça c'est fort. Ok, oui, voilà, donc je peux lui donner à boire. Oh là, je suis tellement bien. T'inquiète, mon ref, ça va bien se passer. Hop, et là du coup en gros il faut juste que je lui donne à boire. Là vraiment, je vais échanger un. Vraiment, ça me fume. Je lui échange un levier contre une boisson. Ça n'a aucun sens. Ok, donc là, hop. Voilà, et là du coup on a fumé les deux. Non mais par contre tu le... Wow. Mais le ref il se prend pour qui là? Non mais je défume toi. Non mais n'importe quoi. Oh là là. Non mais il veut juste me faire chier. Du coup c'est bon barman. C'est bon barman. Et c'est pas bomberman, pardon. Du coup plus la vente comme... Ouais ok, je comprends. Et t'as peut-être des trucs, genre des domaines qui te plairaient plus que la bijouterie. Genre je sais pas, tu sais, magasin de jeux vidéo, tout ça. Mais je l'ai ta poignée. Mais frère, je l'ai ta poignée maintenant. Attends mais je comprends pas. Parce que le truc c'est que je les ai désactivés là les... Ah ok, j'ai compris. Ok, il faut que je... Ok. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller les deux et à mon avis je pense qu'il faut que j'aille sur la platine. Genre après il faut que j'aille sur la platine. En gros quand il se barre... Oula. Mais je fais comment là? En fait je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne comprends pas ce qu'à part... Ah, y'a pas un bail en mode... Si je me mets dessus, les gens ils vont peut-être m'acclamer. Oh, et si jamais ils me remettent dessus? Ah ouais, ok. Oh oui, ok. Oh putain, la strat de fou furieux. Oh, mais c'est incroyable. Alors du coup, c'était pas la bonne. Si? C'est quoi ça? Frère? Oh putain. Wokong, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ces trucs? Ok, donc il faut que j'aille de l'autre côté. Ok, donc c'est pas comme ça. Là, à mon avis, il faut que j'appuie sur lui. Lui, il faut que j'appuie dessus. Ok. Non, je pense que c'est bon. Voilà, let's go. Ça, mais c'est ça. Mais tellement, aucune vanne, c'est un vrai défi d'arène, c'est un truc de fou. Là, j'ai l'impression de me croire dans Pokémon, quoi. Maximum de vidéo et pourquoi pas les métiers spécialisés dans le rap, ça m'intéresserait de fou. Après, forcément, t'as beaucoup moins de pour faire de la vente dans tout ça, vu que tout se passe plus par CD. T'as tout ce qui est magasin de musique, etc. Mais ça, t'en as très peu, quoi. T'en as beaucoup moins, quoi. Après, let's go, mec, je te souhaite, si t'as des petites pistes, etc., si ça te tente, fonce, hein. Je m'en reproche, ok. Du coup, elle est où, Clémentine? Ah, là, il y a Clémentine, du coup. Quoi? Mais comment ça, elle s'est fait séquestrer, Clémentine, elle s'est fait séquestrer, frère? Mais on est où? Et dans quel monde on vit? Et pourquoi il la séquestre? Mais frère, il nous a aidé à rentrer!
Peut-être autre chose que la vente, ouais, c'est sûr, clairement, ça peut être autre chose que la vente. Après, niveau musique, t'as. Serait plus, ouais, je sais pas, tu sais, t'as tout ce qui est manager d'artiste, ou même après, t'as conseiller aussi pour tout ce qui va être justement sur les plateformes, sur les canaux, enfin, t'as plein de choses différentes comme ça. Après, si le monde du rap t'intéresse, vraiment, n'hésite pas à foncer dedans. Hein. Genre, essaie de te faire des contacts. C'est pas facile, c'est clairement pas facile de se faire des contacts, mais ça peut se la donner. Et moi, comment ça, attends, je vais boire un peu d'eau, je commence à me déshydrater. Mais, du coup, Alchatraz, du coup, je suis pas mal, mais je commence à être vraiment bien. Je pense qu'on est à 80% de la fin du jeu, là. Je vous assure que là, on est bientôt à la fin du jeu, je pense. Hein. Mais... Non ! Ok. Oh mais non, mais c'est trop mignon ! Mais c'est beaucoup trop mignon. Et après tes études, tu comptes aller où? Bah en gros l'idée, pour l'instant je sais pas du tout, parce que si jamais à voir comment se développe le stream, etc. Mais c'est vrai qu'un jour peut-être tu vois faire un mi-temps création de contenu et un mi-temps boulot, tu vois, ça serait vraiment l'idéal. Ce serait vraiment genre le rêve. Après pour l'instant, écoute, y a pas forcément de projet. Là, en gros, je suis dans une boîte en alternance. Ça se passe bien, c'est une boîte qui fait des jeux de société en escape game. En gros, je fais du marketing, de la communication, etc. Donc, ça se passe bien. Mais il est vrai que, voilà, genre, si jamais le stream un jour, ça marche bien, ça pourrait être un objectif. Donc, pour l'instant, c'est pas de prise de tête. Là, en gros, il me reste 2 ans d'études. Donc, c'est-à-dire 2 ans de stream, etc. Donc, à voir. Attends, est-ce que je peux remonter là-dessus? Attends, comment je fais? Ah ok, je suis Keblo là. Ok. Je peux aller là. Oh là là, nickel. Mais le cerveau. Et le cerveau. Eh bien je fiche ton level 17. Ah ça c'est intime Antoine. C'est intime, mais non vas-y, on est alone, t'inquiète. Oh non mais les pauvres, en fait ils sont tous kidnappés. Oh les pauvres. Oh les pauvres. Alors, comment je sors d'ici? Ok, alors. Là, je pense qu'il va falloir un petit peu plus réfléchir. Là, je ne peux pas. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas passer dedans. Là, j'ai pas l'air de pouvoir faire grand chose. Puis, il y a encore un nouveau défi d'arène hybride bidouf. Si jamais t'as des techniques, t'inquiète, hein, je suis chaud. Je suis preneur. Attends, je suis là, il n'y a pas moyen que je passe de l'autre côté. Non, je peux pas passer de l'autre côté. Mais voilà, en vrai, l'histoire de la vie, ça va être au feeling. On fait les 2 ans d'études et après on en discute. Comme ça je sors avec un bac plus 5 et on voit. Attends, je peux pas pousser la planche là? Y'a pas moins que je pousse la... Mais attendez les gars, y'a rien à faire ici. Je peux pas lui parler sinon? Mais non. Du coup avec les DJ tu pouvais mixer. Mais non. Oh sérieux, putain stylé. Mais j'arrivais pas à faire Y, donc je comprenais pas. Je comprenais pas du tout. Ah, il faut que je monte là. Attends, parce que pour moi... Ok. Ouais, pour moi il faut monter là, ok. Très bien. Très bien, ça va, c'est fine. Du coup tu découvres pas... Ouais c'est ça exactement, c'est Mais en fait l'idée c'est que j'avais jamais eu la 3DS, j'ai toujours été... Genre j'avais eu ma DS tranquille, j'avais joué à Pearl, j'avais joué à Soul Silver, etc, pas de soucis. Mais c'est vrai que du coup c'était un peu la merde, j'avais la 3DS, je m'étais dit bon vas-y flemme de l'acheter. Genre c'est pas donné, du coup j'avais jamais acheté et au final franchement grave lourd. Là je suis à la 4ème arène, j'ai fini la 4ème arène, genre sans trop de soucis. Bon vraiment, est-ce qu'il y a une strat pour désactiver les... Ou pour les contourner genre. Mais vraiment trop lourd comme jeu. Genre tout le monde m'a dit ouais il est trop lourd. Et bah franchement il est trop lourd. Ouais je comprends pas. J'ai vraiment du mal à comprendre s'il y a en vrai un moyen pour justement les désactiver ou genre les faire bouger de sens. Si tu faisais partir le bug, fallait qu'il soit là. Ah ouais, mais aussi, enfin c'est bon, moi je l'aimais pas. Tu vois, il était ultra rabat-joie, enfin à l'aide. Et franchement, en vrai, ouais, XY, très belle découverte. En plus, tu vois, c'est la France, donc encore bénef, mais franchement, le jeu est super sympa. Soit les graphismes, la 3D un petit peu super sympa. Non, mais ouais, ok, c'est bon, sauve les gens, là. Là, le but, c'est de sauver tout le monde. C'est marrant, hier, je regardais un stream sur XY, et le mec venait de battre le champion de plantes comme toi. Et en vrai, franchement, ultra facile. T'es sûr que c'était pas moi? Ah non, moi, c'était mercredi. C'est mercredi que j'ai battu le champion de plantes. En vrai, il était ultra simple. Vraiment, et après, en gros, je le fais en Nuzlocke, Antoine. Celui-là, vas-y, forcément, on se rajoute de la difficulté, on est un peu... Ok. Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Ça n'a pas l'air.
Ça n'a pas l'air, y a rien. Bon, c'est pas grave, c'est la merde, tant pis. Mais redescends. Ok. Et mon ref, il est trop gros. Il a bouffé trop de croquettes, le boug. Non, ok, pas par ici. Ah non, mais c'est par là que je... Ah mais attends, mais je viens de là, en fait. Ok, faut que j'aille en bas. Je pense qu'il faut que je reste juste en bas, tranquillou. On va aller... Putain, mais what? Oh, c'est si flippant. Ok. Mais c'est quoi ces merdes? Et on est dans quel jeu? Ok, ici on est bien. Est-ce que je peux remonter par là-haut? Mais quoi? Non, le bout. Là. Et là, il m'a plu. Je suis parti. Ce qui est bien aussi, c'est de faire les jeux en random. Ouais, mais vu que j'avais, vu que j'avais jamais fait le jeu, je me suis dit, vas-y, je le fais déjà une première fois. Et au pire, un jour, on se fera le jeu en random. Mais c'est que vu que j'ai jamais fait le jeu, je m'étais dit, bon, vas-y. On y va tranquille et on en discute. T'as pourquoi il est full bugué, là? Et le ref est full bugué. Mais le ref est full bugué. Ok. Et qu'il va vouloir repartir en... Vas-y, repars, mon ref. Repars. Oh putain, il va partir vers où? Ok. On est dit, c'est l'autre côté. Je pense que j'étais bien. Là où j'étais super bien. Donc on va essayer de remonter. Et on va essayer de passer sur le teco, là. Genre là, et c'est... Parce qu'en gros, essayer de passer là. Est-ce que je peux passer là? Non. Là... Ah, c'est chaud. C'est même lui, je peux même pas le délivrer, quoi. Le pauvre. Ici, il y a l'air d'avoir absolument rien à faire. Est-ce que je peux essayer? Non. Ok, bon, c'est un peu la merde. Et en vrai, ouais, random Nuzlocke, ça peut être drôle. Après, voilà, vu que j'avais jamais fait, je me suis dit, bon... Tranquille. Attends, est-ce que je peux passer par là? Mais c'est la merde. Genre par là? Est-ce que je peux pas? Non, putain. Là, je commence à être un peu keblo, là. J'ai du mal vraiment à comprendre où est-ce que je dois aller. Est-ce que je dois faire? C'est quoi la diff avec le random et la run que tu fais? En gros, random, c'est que... En gros, les Pokémon de toutes les zones sont random. Donc en gros, là moi, là-bas, c'est vraiment les Pokémon enfin, des hautes herbes, c'est vraiment ceux identiques à la version de base. Et en gros, tu peux avoir les Pokémon qui sont random et les évolutions qui sont random aussi. C'est-à-dire que t'as un Pokémon qui évolue, t'as un Kenotaur, il va pouvoir évoluer en Lugia par exemple. Genre, et c'est beaucoup trop classe. Ah, je suis pas allé là, attends. Attends, si je suis allé là. Mais comment je fais pour aller là? Ah putain, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu, en effet. Hop, vas-y, on va passer là. Est-ce que dis-moi qu'il y a des clés ou un truc du genre. 100% il doit y avoir des clés. Wouah, putain, let's go. Mais regardez ce chat de. Mais ce chat de qualité, quoi. Bon, j'espère que j'ai été payé à la fin du truc, hein. J'espère qu'ils m'ont ralassé et ils m'ont mis bien en termes de thunes. Alors, attends, c'est là. Ok, là, il est bien. Et du coup, là, on va pouvoir du coup te sortir tranquillement, normalement. C'est genre, c'est ça, en gros, c'est un mode en plus, c'est ça. Donc, en vrai, t'as un peu plus de difficultés parce que, bah, soit t'as de la chance, soit t'en as pas. Le random, en fait, ouais, tu peux avoir un chenipan et un Mewtwo en starter, c'est ça. C'est ça, oui, les starters aussi, pareil, ils sont modifiés, donc en vrai, c'est drôle. Et ça, on le fera aussi, mais... parce que j'ai trouvé en plus un truc pour randomiser les ROM de Citra. Donc en vrai, ça peut être trop trop cool. Ça peut être vraiment des barres à faire. Donc en vrai, why not? Mais déjà, au moins, on se fait Pokémon XY, on se le fait comme ça, bien, y a pas de souci. Hop, très bien, ok. En vrai, je pense à ouais, ça commence à. Moi, j'ai l'impression que l'image. Enfin, ça commence déjà à toucher à sa fin. Ouais, j'ai déjà fait la 5G parce qu'elle est sortie sur DS. J'avais fait. Enfin, celle avec Zekrom. Je sais plus laquelle c'est. Mais j'avais fait celle avec Zekrom. Et franchement, sympa. En vrai, sympa la 5G. Je pense qu'on la refera aussi. Pareil, c'est des... en fait, c'est des. Genre, la 5G. En tout cas, les versions 2, je les ai jamais faites par contre. Mais par exemple, Urgles ou Silver, j'aimerais bien le refaire. La 5G aussi, j'aimerais bien la refaire. La 7G, j'aimerais bien la faire. En vrai, il y a des choses que j'aimerais bien refaire. Parce que c'est que j'ai jamais eu trop l'occasion, jamais pris de train, donc on verra bien. Ouais, Pokémon Blanc, c'est ça, ouais. Ça faudra m'en parler de comment faire. En vrai, c'est super sympa et c'est pas trop compliqué. Faut juste... Après, c'est que full émulateur, par contre. Oh putain, c'est notre gigapote. C'est B12. Ok, faut sauver B12. Là, le but, c'est de sauver B12, les potes. J'aime bien, il y a vraiment une discussion, tu sais, je lui réponds et tout, t'inquiète. Où est-ce qu'on veut passer?
Parce que lui, du coup, lui, il a les clés ou pas? Non, mais c'est vrai que du coup, lui, il a le passe-partout. Genre, lui, c'est le S, quoi. Ok, tranquille. En plus, par contre, j'ai plus rien sur mon dos, quoi. Bon, là, c'est vraiment genre en mode exploration, mission, commando, etc. Et putain, il se déplace tellement plus vite que moi. Ok, donc il y a des espèces de... Ok, il y a les drones, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, les petits drones. Rien à foutre, ça va le faire. Ok. En vrai, du coup, je sais pas, parce que là, du coup, je suis dans un mood où... En vrai, j'ai envie de continuer, mais je me dis, en vrai, si on finit en une heure, ça se tente. Si on finit en une heure, en vrai... Attends, est-ce que je peux faire des trucs là? Il y a l'air d'avoir rien à choper. Ok. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Alors, pareil. Ok, pour avancer, il faut que je passe par là. Alors. Là, il y a l'air d'avoir absolument rien. Ok, on redescend là. Attends, je peux pas l'aider pour qu'il sorte. Oh, ouais, putain, c'est la merde. Là, c'est vraiment vas-y tout seul, mon ref. Oh, c'est la crise. Ok. Ok, je peux pas monter. Là, je peux absolument pas monter. Là, est-ce que je peux déplacer les tables? Est-ce que je peux... Sinon, je peux rentrer dans le truc. Peut-être qu'à tout moment, il y a un... Ou alors, c'est pas là. Ah mais non, mais ok, il bouge. Ah, j'avais pas compris. Je trouve encore mieux. Ah ouais, sérieux? Genre, il y a quoi qui change? Dans Black and White 2, il y a quoi qui change exactement? Genre, c'est quoi le... Parce que, genre, c'est l'histoire qui change un petit peu ou même pas? Ok, bon ça, vas-y, on avance un petit peu. Je peux pas... Oh, putain de merde! Ok. Non, mais ça va, ça va. J'avais compris la petite manip. Ok. Oh, putain, c'est tellement chaud! Merde, à un moment donné, t'as la meuf qui est gelée et en gros, c'est les mêmes jeux. Mais en plus, son est plus complet. Genre, quand on dit plus sombre, c'est tu parles de l'histoire qui est un peu plus sombre. C'est vrai qu'en vrai, l'histoire de Black and White était pas trop mal. Hein. C'est plutôt cool avec genre avec Gettys, etc. Avec N. En vrai, c'était stylé. Tu vois, c'était pas déconnant quand je disais que tu finirais en 2 heures. Là, on est déjà 1h15 de plus. Ouais, mais en vrai, je pense que ça se tente là. Mais du coup, je me rapproche de la fin, on est d'accord. Ok, putain, là, ils sont un peu. Là, ils sont fébriles. Du coup, vas-y, en vrai, hop. Donc là, le but, c'est que j'aille récupérer mon pote. Mais non, 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 rentre dans le carton. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis caché, ça va le faire. Non mais c'est faux, mais regardez comment il me traque. Ça marche, des bisous Picarine. Des bisous, passe une belle après-midi, à très vite. Sûrement peut-être à dimanche. Je suis Victor, level 67, Mister Vesky, level 52, Big Gothette, level 34. Bien joué à vous les potes. Du coup, prochain stream dimanche à midi. On fera du coup du... on fera du... Comment ça s'appelle du Pokémon X. Non, non, mais laissez-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît! J'arrive pas à monter. Ok, c'est bon. Fouh! On l'a ramené en vie, let's go! Let's go! Wow! C'est une suite du 1, t'incarnes un nouveau personnage dans une partie de la région que t'avais pas vue. T'as des révélations sur ça. Putain, stylé. Mais en vrai, ouais, tu vois, c'est un truc pareil, j'ai jamais fait le 2. Parce que j'étais en mode, mais vas-y, à quoi ça sert? C'est comme Ultra Soleil, Ultra Lune, tu vois, c'est des opus, je suis en mode... En vrai, à la base, j'étais en mode, à quoi ils servent, tu vois? Ils auraient dû tellement faire tout en un et faire des jeux plus longs, parce que... Tu sais que je trouve que les jeux Pokémon sont vachement courts et c'est un peu décevant. Sur certains aspects, on va dire. Donc comment sortir? Ok. Donc on trouve comment sortir. T'inquiète, on va utiliser la porte, on va pirater. T'inquiète, ça devrait bien se passer. Parce que là, en vrai, je pense qu'on sort et après on peut retrouver le monde, le vrai monde, hein. On est là, hein. Vas-y, ouvre... Mais t'as les clés! T'as les clés! Allez, ouvre! Non? Ah, ok. Ok, donc comme on dit, là, il attend de moi que je fasse quelque chose. Oh putain, c'est la merde. Oh, c'est la barre, ma merde. Mais là, il y a... Non? Putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Je comprends pas ce qu'il faut faire. Attends. Là, il y a quoi là? Est-ce qu'à part des sacs poubelles, je ne peux plus revenir en arrière. Donc il y a forcément un truc à faire ici. Si on regarde en haut. Mais j'avoue que t'as raison, après si tu veux un jeu Pokémon long avec un scénario de ouf, je te conseille des fangames, ouais. C'est sûr, après oui, les fangames, ouais. Ça tu vois, je suis d'accord, mais c'est dommage. C'est dommage que tu vois, les scénarios Pokémon soient pas assez développés, soient un peu mous, et restent trop enfantins. Tu vois, c'est un peu dommage, même si je sais que... Ah, je viens de voir. Même si à la base, je sais que c'est pour les enfants quand même, tu vois, c'est un peu chiant. Ah oui, ok, du coup, attends. Vas-y, ouvre la poubelle! Ouvre la poubelle, mon ref! Ah non, ok. Et pourquoi il a pris une brique? Ah, il va casser la vitre! En tout cas, vachement pratique tout ça, monsieur. Hein. Du coup, comment je fais pour monter? Dis-moi qui va me porter, là. Porte-moi! Oh, dis-moi que... Je peux lui sauter dessus, let's go! Oh, le giga bro, quoi. Ok, et là du coup, est-ce que je peux ouvrir? Ok, je peux lui ouvrir la porte. Très bien. En soi, pour moi, les jeux sont bien, mais à partir de la 7G avec Soleil et Lune, c'est devenu une catastrophe. Mais en vrai, je trouve que ça allait. La 8G épée bouclier, en vrai, ça allait, tu vois. Juste par exemple, les remakes Diamant et Perle étaient moisis du cul. Arceus, ça allait, mais c'était parce que c'était un jeu différent. Donc ça va, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu peur avec la 9G, là. Il a jeté la brique en mode rien à foutre. Il a fait... Ah! Non mais il avait sûrement une haine, je ne sais pas. Ah ouais, s'il faut que j'aille... Attends, mais pourquoi il m'a enfermé là? Ah ouais, ils se font réinitialiser. Oh putain, les pauvres. Oh, les pauvres bugs. Ils se font réinitialiser. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire ça. On va aller... la porte, t'inquiète. Ah ok, du coup, ça me bloque dedans. Ah du coup, est-ce que je pourrais pas justement peut-être les mettre à l'abri ou un truc du genre? Je pense que ça doit être ça. Je pense qu'il faut que je... Ah mais moi je... Attends, lui est-ce que je peux pas le... Non ok, je peux rien faire. Alors à mon avis la strat... Est-ce que je peux pas rentrer dans les barils? Non, ah oh, putain, je peux pas rentrer dans les barils. J'ai du mal à comprendre là. Ok, attends, réfléchissons. On va se poser 2 minutes et on va comprendre. La 8G était grave bien. On dit... Ah, mais clairement, ouais, les terres sauvages, c'était pas mal. Après, la Switch buguait un peu, quoi. C'est rien de grave, hein, mais... ça reste du détail, mais bon. Putain, mais où est-ce qu'il faut aller? C'est la merde! Ah, j'ai compris. Oh non, mais non, je suis mort! Ok, j'avais réussi. J'avais réussi. En gros, il faut que je keblo. Mais j'avais réussi! Ok, il faut vraiment pas que je meure. Il faut pas que je meure, mais ça peut le faire. Donc, ça a vraiment général. Ah non, mais vraiment, aucune vanne. Ça... Après, c'est un jeu qui est vachement coté. Hein. C'est un jeu qui est vachement connu. Enfin, il y a eu pas mal de streamers qui ont joué, etc. Je suis passé tellement rapide qu'il m'a pas vu. Hop là. Ok, en vrai, tu sais, je me... Non mais reviens. Non mais reviens, mon ref. Mais reviens. Ok. Mais non. Oh non. Mais non, j'ai fail. Ok, oh c'est bon, j'ai réussi. Pouh, let's go. Let's go, let's go. Du coup, lui, je l'ai enfermé. C'est bon, je l'ai enfermé. Vas-y, tu peux venir, mon ref. Let's go. Oh putain, la strat de fou. Oh, je l'ai baited. Je l'ai giga baited. Et du coup, c'est bon, là, je vous ai sauvé la vie, les refs. Il y a pas de soucis, vous pouvez avancer. On est bien. On est tellement bien. Je suis tellement big. Puis du coup, bientôt fin du jeu. Oh là là, ce jeu, en tout cas, masterclass. Hein. Ce jeu, vraiment, stray masterclass. Attends, il y a un petit souvenir à les récupérer. Du coup, je les aurais pas tous pris, on n'aura pas 100% de jeu. Bon, c'est pas grave. Parce que je les ai pas tous trouvés. On a combien là en termes de. On peut voir vite fait après, on a combien de pourcents? Ouais, c'était le dernier souvenir du jeu du coup. Je crois.
Ok, alors ça sert à rien de monter ici apparemment. À moins que il arrive pas. S'il a, il a réussi à ouvrir la porte. Donc tranquille en vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais il y a l'air d'avoir que des mecs chelous là. Je suis désolé, c'est un peu. Quoi? Mais non! Mais non! Mais non! Mais j'étais caché dans les hautes herbes! Pourquoi ça ne passe pas? Oh non, je suis dégoûté. Non mais j'étais dans les hautes herbes, j'étais tellement bien caché. Que l'herbe, elle pousse. Non mais l'herbe pousse sur les bâtiments. Bon, rien à foutre. Ok. Ok, alors là le but vraiment. Oh putain, oh la cata. D'ici de barbe à merde. Mais mon ref. Ah. Mais non. Il faut, en fait il faut que j'attire les deux. Oh salut, oh Enzo. Mais ça te... Mais Enzo, mais comment tu vas mon ref? Enzo ça fait un bout de temps là, comment ça va? C'est plaisir. C'est plaisir de te revoir. Ça dit quoi de beau? Non mais là vraiment c'est... Le bâtiment il a été laissé à l'abandon depuis des milliers d'années. Donc forcément ça pousse dessus. Oh, c'est la merde. Mais en fait, il faut que je les attire tous les deux. Et que j'ai vraiment que je vais les... Hop là. Tu vois, tac, là, les... Sauf qu'il en manque un, là. Le problème, c'est vraiment, il en manque un. Donc là, il faut que je les... Et reviens, là. Toi, là, viens. Toi, viens. Mais toi, viens là. Ouais, viens. Oh putain. Mais non. Ah, c'est si dur. Mais c'est si dur. Mais vraiment, il faut que j'arrive à... Mais en fait, je peux passer... Oh, j'aurais du tempo à l'intérieur. Faut vraiment, en fait, j'arrive vraiment à trouver le moyen d'attirer les deux à l'intérieur et vraiment juste de temporiser à l'intérieur. Mais écoute, la forme. Ça va, tout s'est bien passé avec la rentrée, etc. Ça, du coup, t'es rentré en quoi, Enzo? Vu que ça fait un bouton, on s'est pas vu. Mais c'est galère, mais en vrai, il faut vraiment juste que j'arrive à choper les deux d'un coup. Là, tu vois, en gros, je chope vraiment... Bien, ça, là. Là, je les ai. Là, tu vois, là, j'ai les deux. Là, littéralement, j'ai les deux. Et je peux pas fermer... Attends. Oh, je les ai niqués. Oh, mais je les ai niqués. Oh, je les ai niqués, let's go. Oh, let's go. Je les ai fumés. Je les ai littéralement fumés. Hein. Là, y a rien à dire. Je les ai fumax. Les pauvres. Ok, let's go. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y aura peut-être un boss final, un truc comme ça? Non, attends, c'est la fin, là? Non, c'est pas la fin du jeu, là. Attends. Non, c'est pas la fin du jeu, j'ai eu peur. Vas-y, tu sais, tu vois la porte avec la lumière et tout, peut-être la fin du jeu. Mais ouais, en vrai, il est chaud. Franchement, il est pas simple. Le début est assez facile, mais après, en fait, t'as plein de petites quêtes, etc. Et ça, mine de rien, j'avoue que c'était pas chaud. Enfin, c'était pas trop simple non plus. Ça marche, y'a pas de soucis, des bisous, Antoine. La prochaine, mais carrément. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, à suivre les réseaux aussi. Si jamais ça vous dit, vous avez le Linktree, mais sur Discord, vous avez le planning. Et sur Instagram, vous avez aussi... Vous avez aussi justement bah, les petites stories de dès que je stream ou quoi que ce soit. Donc si jamais ça te dit let's go. Attends ouais. Parce que on n'est pas tiré d'affaire. Ouais mais je sais. Mais vas-y, tu veux pas ouvrir? Non mais de. Wow. Et vas-y, ouvre. Comme ça, reste aux aguets. Mais je veux bien, mais vas-y, ouvre la porte. Et le but c'est qu'on continue là. C'est le foutage de gueule. Oh mais non, mais ça me fume, c'est trop mignon. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. Bah ça marche les autres, tu gères Antoine, merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis en tout cas, à la prochaine. Passe une bonne journée, bon jour férié en tout cas. Ok, c'est ce moyen, très bien, ok, fouillons les lieux, très bien. Donc ça, pour l'instant, y'a personne. Pour l'instant.
peux pas passer par ici. Où est-ce que je peux aller avec ça? Est-ce que je peux peut-être monter là-dessus? Ah, peut-être là? Non, y'a rien à faire. Ok. Mais what the fuck? Non, ça a pas l'air d'être ici. Ok, en vrai, vraiment, le truc, c'est qu'il faut rentrer dans l'espèce de cabine. Oh, y'a un vélo! Attendez, 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 pause. Est-ce qu'on peut monter sur le vélo? Ou est-ce qu'on peut peut-être monter sur l'arbre? Je sais pas. Non, mais y'a une strat. Attendez. Je pense qu'il faut monter sur le véhicule. Oh, attends, attends. Le véhicule. Mais frère, y'a la clé! Oh oui, y'a la clé. Ok, c'était ça. C'est ça. Oh, dis-moi qu'il va foncer dedans, s'il te plaît. Je passerai juste dire bonjour, je faisais une petite pause dans mes révisions. Mais y'a pas de soucis, force à toi pour les révisions, Enzo. Des bisous, à la prochaine. Et force à toi, en tout cas, pour les examens, sûrement, je suppose. Et qu'est-ce que tu fais? Faut que je monte? Ah oui, faut que je monte là. Mais non, mais c'est trop mignon. Attends, wow, ok, calmos, mon ref. Oublie pas que je suis à l'arrière. Bah vas-y! Casse tout! Bah oui, je veux bien monter! Mais on fait quoi là? Ah oui, ok, je peux! Ah ouais, mais il est trop fort! Mais ce mec est beaucoup trop fort! Enfin, Clémentine est beaucoup trop forte en fait! Genre rien à dire! Genre ça. Non mais trop. Non, rien à dire! Je suis choqué! Oh putain! Vous sentez le rush de fin là? Vous sentez le rush de fin avec les bip-bip là? Je vais pas mentir, pour moi, je pense que c'est la merde, là. Ah! Oh, putain de merde. Oh, putain. Mais non, mais attends-moi! Mais mon ref, attends-moi! Mais t'es mon pote! T'es censé être mon ami! Quoi? Mais il est censé être mon pote! Mais il m'a pas sauvé! Attends, mais aucune vanne! Comment ça? Bon, on en parle... C'est le vibromasseur, quoi. C'est la manette... Tark et plaisir. Hein. Et Pond, what the fuck, comment ça il m'abandonne, là, mon ref, là? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ouais, je comprends pas, là. Mais attends-moi! S'il te plaît, attends-moi! Mais on est censé être copains! Mais attends-moi! Lazarius, comment ça va? Mais vraiment, aucune vanne, on est censé être potes, ils m'attendent même pas. Genre, c'est quoi ça? Est-ce que ce serait-ce la fin, peut-être? Oula, oula, oula! Le permis dans le Kinder Surprise, monsieur. Oh putain, ça a l'air d'être là, c'est chaud, là. Là, c'est compliqué. Là, c'est la fin. Du coup, que la forme, ça super bien. Petit, c'est férié aussi en Belgique ou pas? Aujourd'hui? Vraie question, hein. Question con, je sais, mais vraie question. Non, non! Mais c'est trop mignon! Ok. Tu resteras gravé dans ma RAM. Oh, c'est trop mignon. Mais non, mais oula, bah, c'est fini. Bah, rip Clémentine. C'est toujours pas la fin? Mais je suis si loin de la fin, là? Ou la fin de la guerre, c'est ouais, non mais on sait jamais. Non mais on sait. Non mais je sais que c'est l'armistice, mais on sait jamais. À tout moment, tu sais les Belges, vous êtes un peu bizarres, donc je me dis, on sait jamais. Quoi est prévu aujourd'hui? Enfin, quoi est prévu aujourd'hui, ce week-end, Lazarus? Que vas-tu faire de beau? Merde, il faut que j'ai une clé. Là, je vais quitter ce monde. Mais du coup, il faut que je reparte en arrière. Non mais on a quand même vachement bien avancé là. Là une demi-heure elle s'est pliée en vrai hein. Oula bah non. Oui la clé. Ah la pile. Ok là c'est la pile qu'il fallait mettre. Ok. Wouh. Écoute. Oh The Banane. Mais non. Mais comment tu vas The Banane? Ça dit quoi de beau? C'est plaisir de te voir. Ça dit comment tu vas là? Depuis le temps pas grand chose de prévu. Mais là je fais un peu de montage. Oh stylé. Tu montes des clips? Je suppose. 30 minutes, c'était rapide, c'est envisageable, je pense. Ouais, ça se fait.
Ok, donc là, vas-y, on va aller suivre tout ça. Oh putain, c'est tellement mignon, là. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, on miaule. On miaule d'encouragement. Mais non, mais c'est trop mignon. Oh oui. Oh, on va pouvoir prendre le métro. Aucune vanne. Oh, mais c'est trop stylé. Mais c'est trop stylé. Mais c'est trop stylé. Je suppose que t'as eu pas mal de têtes de boulot, etc. Et puis pas forcément le temps de passer aussi, je comprends, t'en fais pas. Du coup, ça s'est bien passé, les cours. Enfin, ça se passe bien, les cours, en ce moment. Il a tout compris. Je fais pareil, en ce moment, là, je suis en train de faire du gros montage de ça, Lazarus. Tu sais, là, et dès la semaine prochaine, ça envoie du gros lourd sur les réseaux sociaux. Des petites vidéos facecam travaillées et tout. Vous allez voir. Là, j'en ai monté une. Genre, je suis en train d'apprendre un petit peu et vraiment, en vrai, ça se passe tellement... Vraiment, j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai fait. Genre, la petite séance tournagère, franchement, j'ai dû monter... J'ai dû faire genre peut-être 20 vidéos, je crois, à peu près. Et vraiment, trop hâte de vous montrer ça. Salle de contrôle. On a vu ça de la fin, là. C'est sur la quotidienne, ce soir. Ouais, je suis sur la quotidienne. Donc, c'est pour ça, on stoppera vers 16h, 16h30. En fait, on stoppe dès que j'ai fini. En vrai, j'aimerais bien finir le jeu, là. Trop bien de ma création aussi, je tente un peu... Mais il faut essayer. Puis même le montage, t'as tellement de possibilités que... Mais oui, je sais que ça fait longtemps et ça fait trop plaisir justement, The Banane. Et content aussi d'avoir de tes nouvelles. Ouais, les cours et tout, et puis j'ai plus vraiment surtout... Mais je comprends. Je suppose que tu profites beaucoup plus IRL, etc. Tu sais qu'il y en a beaucoup aussi qui étaient là sur Twitch avec le Covid, forcément. Et c'est vrai que maintenant, bah... Un peu moins, est-ce que je peux comprendre, hein. Même moi, je fais un peu pareil aussi. Oh, il y a un mec qui fait du le ballet. Oui, mon ref, qu'est-ce que t'as? Mais pas grand-chose. Apparemment, le ref ne peut pas faire grand-chose pour moi. Ok, très bien. Putain, mais what the fuck, tout est nouveau, tout est neuf. T'es incroyablement bien. Ouais, vas-y. Hein. Est-ce que c'est important de leur parler, Open? Ok, non, c'est vraiment des... On s'en fout. Parce que du coup, tu sors avec les potes, etc. Ok. Bon, ça a l'air d'être tellement un nouveau jeu, là. Là, vraiment, aucune vanne, j'ai l'impression d'être dans un nouveau jeu. Situation habitation de cité murée 99. Cette porte qui mène à la surface est actuellement verrouillée. Donc, ouais, le but, ça va être de rejoindre la salle de contrôle et d'ouvrir cette porte, quoi. En gros, c'est ça le but. Ok. Vas-y, la control room, les gars. C'est parti. Ouais, tu me fumes tout, là. Quoi, un protocole de sécurité empêche d'ouvrir la salle de contrôle. Il est écrit que seuls les humains sont autorisés à entrer. Oh non, c'est la merde. Oh. Mais non, mais du coup, je peux pas rentrer. Toi, non, ils n'ont plus. Ok. Ok. Donc, je crois que je peux ouvrir ça. Mais je peux pas l'ouvrir là. Ok, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, le but, ça va être de trouver un humain. Alors, ah, ok, déjà, j'ai ça. On va pouvoir l'amener ici. On va pouvoir l'amener ici tranquillement et voilà. Après, c'est vrai que je suis pareil un peu comme vous, hein. Je vais pas vous mentir que, genre, off-stream, je suis un peu moins sur Twitch. Quand je ne stream pas, je suis un peu moins sur Twitch. Et clairement, je sors, je vois les potes, je... Voilà. Et c'est vrai que je passe un peu moins de temps devant le PC, forcément. Et bon, après, c'est pas la mort, mais bon. Ok. Il a l'air d'avoir pas grand-chose ici, ok. C'est vrai, comment trouver un humain, quoi, ici? Putain, mais ça a l'air d'être tellement la sauce. Ok. Et oui, mais je veux bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, il nous faut un humain. Il nous faut un humain pour faire ça. Oh là là, la boulette. Comment je peux faire ça? Comment je peux dire que je suis un humain? Ah, ok. Ok, non mais il fallait le dire comme ça aussi. Oh, ça me fume, on casse tout là. Là, j'ai des épreuves et tout. Ah ouais, en ce moment, du coup, c'est examen, The Banane. T'inquiète, ça va bien se passer. J'en doute pas. Oh, ok, bon, ça va. On a vraiment. C'est le cheat code. Hein. Clairement, on a fait le cheat code en mode rien à foutre. Ok. Ok, ok. Mais là, du coup, ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus de la vérité. Oh là là, la salle contrôle. Mais pourquoi c'est vide? Oula. Du coup, est-ce qu'on va trouver un humain? En vrai, ce qui serait fou, ce serait qu'on trouve un humain. Genre. Un vrai humain en mode what the fuck, il voit un chat, un mini-robot, t'inquiète. Mais t'inquiète, ça va bien se passer, The Banane, t'en fais pas. En vrai, il faut pas stresser, juste soyez confiant. En vrai, voilà, bosser un peu, forcément, c'est important. Mais croyez en vous. Et partez pas défaitiste, surtout, c'est important.
suis qu'à 70% en fait. Ah ouais. Je pensais que j'étais plus Ok. Ok, bon bah vas-y, zone de contrôle. Attends, mais c'est pas une zone de contrôle ça, frère. C'est une cuisine. Ok, à mon avis, ça doit être là-bas. Ça doit être là-bas. Là, le truc qui bip, là, frère. Le truc qui bip totalement, c'est en bon sens, c'est là. Bien sûr, il va pas pouvoir y accéder. Si ! Comment ça, il y accède ? Mais c'est le hacker, en fait. Personne n'est venu ici depuis des années. Oui, c'est le système. Faut les allumer, d'accord. Mais y a pas de souci. Pendant que je fais ça, je vais chercher les mots de passe et les clés encodées pour entrer dans le système. Ok. Vas-y, en vrai, on va essayer d'aller... On va fouiller un petit peu partout. On va faire notre fouine et puis on en rediscute, ok. Putain, les tableaux de contrôle, il y en a tellement partout. Hop. Mais y a pas de truc où on a l'impression qu'on peut interagir. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Wouah, putain, c'est trop stylé. Oh, c'est beaucoup trop stylé, oui. Oh. En fait, c'est une espèce de... En fait, t'as l'impression que c'est une espèce de monde contrôlé par les gens du dessus. C'est Stray, The One. Alors, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Enfin, pas si longtemps, oui et non. Ah, il faut que je marche dessus. Ok. En gros, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et en gros, c'est un jeu où, en fait, tu contrôles un petit chat. Et c'est trop cool parce qu'en fait, avec ce jeu-là, c'était déjà, c'est un studio français. Et en gros, ils ont fait, en gros, des... comment dire? Une espèce de pack pour la SPA. Et en gros, derrière... Ça te permet en fait de faire un don, vu qu'en fait c'est des chats. Ils sont, vas-y, ça peut être une bonne idée. Et vraiment trop pipou. Et genre le but en gros c'est de revenir dans notre monde. Parce qu'on a fait un peu de la merde. On s'est perdu avec nos frères et sœurs. Enfin, on a perdu nos frères et sœurs et du coup le but c'est de revenir dans notre monde de base. Et là du coup je suis dans un monde de robots. Et c'est un peu la merde. Ok, normalement c'est bon. Enfin, c'est... Attends, j'avoue que j'ai pas du tout été clair. En gros l'idée c'est que t'es un petit chat. T'as perdu tes frangins, etc. Et en fait, t'es tombé dans un monde totalement parallèle où c'est rempli de robots, où c'était un peu la fin du monde. Et le but, c'est en fait de te faire des copains robots, essayer de comprendre ce qui s'est passé et justement essayer de revenir dans le monde de base. Donc ça, on s'est fait un pote B12 qui, lui, c'est vraiment le gigabot. Vraiment, c'est le gigabot qu'il a pour nous aider. Il y a peut-être un moyen. Oh là là, mais les dingueries! Je crois qu'après, il va y avoir un rush de fin et c'est bon. Système is lock. Ah! Oh, c'est chiant. Niveau de sécurité. Mais franchement, trop pipou comme jeu. C'est trop trop mignon. Genre, j'ai une touche, j'appuie et je miaule. Non, mais c'est bon, ce jeu me fume. Comment je fais pour délock ça? David, il doit y avoir des espèces de petits... Mais comment je les délock? Comment je les déloque? Mais oui, trop mignon le fait, oui. Non, mais c'est trop pipou, moi j'adore. De toute façon, moi je suis faible. Je suis clairement très 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 faible. Ok, non, ça a pas l'air de changer quoi que ce soit. Peut-être qu'on peut se prendre une petite boisson. Hero What Will! Y'a pas de soucis, t'inquiète. Qu'est-ce que tu faisais de beau, What Will? Attends, on va essayer de remonter peut-être en haut. Ah, on peut revenir en arrière. Ça, c'est bon à savoir. On peut revenir en arrière. Donc, à tout moment, il y a quelque chose que on n'a pas fait en arrière. Ou qu'on doit revenir en arrière. Pour justement unlock le système. Ça nous a dit comment on l'unlock. Ok. On va revenir en arrière, ok. On va aller refaire un petit tour. On va aller voir. Mais en vrai, putain, c'est... Ce jeu, je suis désolé, mais ce jeu est beaucoup trop bien. Ce jeu est un banger. Alors il y a eu, en vrai, il y a eu une phase de creux où je le trouvais un peu moins ouf. Et vraiment, je vous assure que ce jeu est un banger. Non, mais très bien, y'a pas de souci, vous avez été conçu pour ça. Mais est-ce que je peux vous débloquer un truc ou un bail du genre? Bonjour, mon trait, actuel, nettoyer la fenêtre. Ok. Très bien, sans plus. On n'a pas d'interaction avec les machines. Que plus cher pour vous? Pas grand chose. Très bien. Tout se fait dans la salle, t'inquiète. Ah ouais? Ok. Ouais, mais c'est chelou, c'est bizarre. Ah, y'a ça, non? Non, ok, je peux pas rentrer dedans. Je peux pas même pas gratter ou quoi que ce soit. Navi, y'a des trucs à gratter, peut-être à droite, à gauche.
Genre, t'es sur le canapé. Allez, peut-être les papiers. Les papiers sur la table, en vrai. Ou attends, on peut peut-être monter sur les luminaires. Ah non, même pas. Ah, ça commence à être chaud. Le non. Le livre, peut-être, non. Putain, c'est la merde. Ça, j'ai essayé de l'allumer, ça change rien. Cité sealed. Ok. En fait, j'ai failli me couper la main et mon bras. Comment ça t'a failli te couper le bras? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi du comment, là? Comment ça? Porte 22. Ah, c'est peut-être là. Ah, j'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu. Autant pour moi, je n'avais pas vu. Ah! Let's go! On trouve. Attends. Ah oui, ok, là, il faut que je gratte. En fait, c'est vraiment, je coupe tous les fils et let's go, quoi. Ça a servi à rien? Comment ça? Ok, piraté. Très bien. Ça va, en vrai, j'ai tout capté. Évite, ça fait mal. T'inquiète, bon, c'est juste un bras. Au pire, dis-toi, Wetwill, c'est pas grave, les bras, ça repousse. Oh, putain. Oh, putain de merde. Et ça doit être le... Oh là. Il faut qu'on continue. Ben ouais, mais je veux bien. Mais je veux bien continuer, mais comment? Ah, j'ai pas vu. Oh, je les avais pas vus. Mais ils sont en l'air aussi, les bugs. Ok, il faut que je monte là, je suppose. Et comment? Ah, je peux pas... Et si je monte dessus? Oh, trop mignon, les petits bruits! Mais bon, il veut pas... Je peux pas le décrypter, lui. Oh, c'est chiant. Là? Attends, on va essayer de passer par là, peut-être en haut, là. Ah, y'a peut-être un truc dans les cartons? Peut-être? Non, je peux pas monter. Hero Ninjax, re-re, mais voilà, t'es revenu. Mais comment t'as fait pour perdre ton bras, là? Pourquoi t'as tout cassé, là, Wet Wheel? Qu'est-ce qui t'est arrivé? En vrai, fais attention quand même. Attends. En fait, je comprends pas parce que j'en ai un là, mais je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le toucher, genre. J'ai pas le droit de le... Je ne peux pas. Donc ça, c'est mort. Là, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Si jamais je reviens là-dessus. Peut-être. Attends, y a pas un autre truc à faire? Non, il a l'air d'avoir rien à faire là, ok. Oh putain, j'ai l'impression d'être Keblo. Ah, c'est horrible. Mais alors qu'en vrai, la solution, elle a rien. Ah, c'est là, j'ai pas vu. Ouais, mais du coup, est-ce que je peux pas aller... Ah, mais ok. À mon avis, je pense qu'il faut que je coupe le système d'alarme. Ok, j'ai compris. Non, ok, je peux pas. Il faut que je coupe le système d'alarme. Je sais pas comment, mais il faut que je coupe d'abord le système d'alarme avant de pouvoir continuer ce que je voulais faire. Comment je coupe le système d'alarme? Frère, il est où le système d'alarme? Il y a même les distributeurs qui sont en PLS. Il est où le système? Tu sais, j'ai aucun pouvoir, genre. Je ne peux absolument rien faire. Ça doit être ça, peut-être, là? Non, mais non, je pouvais pas. J'avais pas d'interaction possible avec ça. Il est où leur système d'alarme, là? En vrai, si on peut monter là, c'est qu'il y a une raison, non? Est-ce que si je lui miaule dessus, le système, il s'arrête? C'est beaucoup trop long à expliquer, mais en fait, j'ai une fente au moins 10 cm sans abuser, Orvan. Mais ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais va à l'hôpital, qu'est-ce que tu fous? Tu sais que 10 cm, genre, c'est énorme, mais va à l'hôpital, Wet Wheel, qu'est-ce que tu branles encore là? Genre, vraiment, enfin, ouais. Fais attention à toi, quand même. Ok. Non, mais vraiment, il faut que je vire ce système de... Comment je fais? Je peux pas... Non. Mais déjà, au moins, on est sûr qu'il faut que je vire le système de... Le système de truc, là. De sécurité. L'équipe de bras cassés, c'est le cas de le dire. Oh, putain. Ah ben ouais, ben c'est chaud. Alors, pause. Non, mais on se met en pause. On réfléchit.
Comment on pourrait virer un système de sécurité? Serait, à la base, ce serait sur la porte. Genre, il serait à côté de l'entrée, tu vois, le système de sécurité. Ce qui paraîtrait logique. Mais non, il n'y est pas. Donc il faut réfléchir encore plus. Il faut pousser encore plus ces neurones à bout. Ouais. Ouais, mais j'aurais pas dit mieux. Ah, j'aurais pas dit mieux, mon ref, hein. Putain. Si quelqu'un a une solution, ou une un tip, je suis chaud, en vrai, hein. Putain, mais comment on fait pour enlever cette alarme, là? Je ne peux, en fait, je ne peux pas débloquer les autres. Je ne peux pas... Ah, il faut les faire exactement comme avec le premier? Ouais, mais c'est pas possible. Ah ouais, putain, ok. Ok, en fait, ok. Donc j'ai un peu merdé. Je pensais qu'il fallait... En fait, je pensais vraiment qu'il fallait... Je pensais très clairement, en fait, qu'il fallait... Bah, et qu'il fallait, du coup, en fait, éteindre le système d'alarme, en fait. Merci, lapin bleu, merci beaucoup. Ah, t'es toujours là! Mais trop bien, c'est trop, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. En tout cas, merci aussi à tout soutien, à tous ceux qui sont en lurk, etc. Je vous remercie mille fois, c'est grâce à vous aussi qu'on avance sur le stream, donc merci à vous. Vous êtes des cracks, c'est trop plaisir. Et merci beaucoup pour l'eau, c'est adorable. J'adore comment le chat. Mais oui, il est trop mignon! Il miaule tellement. Salut Alex, comment ça va? Je suis sur le live depuis un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de dire bonjour, mais j'espère que tu vas bien, Alex. Tu dis quoi de beau? Est-ce que tu passes une. Eh, petit week-end de 3 jours, ça fait plaisir. Non, mais arrête, dis pas de conneries, What Will, dis pas de conneries. Je reste un lapin de l'ombre. Tu fais quoi de beau à côté, lapin bleu? Mais c'est gentil, en vrai, ça fait très plaisir. Vraiment, je vous le dis, hein, mais merci aussi à ceux qui sont dans l'ombre, etc. Merci à ceux qui partagent le stream. Genre, je vais pas vous mentir que c'est pas tous les jours facile, Twitch. Et vraiment, merci à vous, merci à ceux qui prennent le temps d'aller follow sur les réseaux, de partager le stream, de rester en l'heure. Je vous assure que c'est, vous êtes des cracks et ça fait trop plaisir. Merci à vous, hein. Merci mille fois. Vous êtes des amours. Ok, ouais, donc là c'est bon. Ok, ouais, mais my bad, putain, j'ai trop. En fait, je m'étais focus sur l'idée de. Il faut. Genre, virer l'alarme. Je crois que j'en ai plein la coque. Ouais, mais du coup, elle est où la station de travail? Ah, bah elle est là. Ouais, elle est là-bas la station de travail. Ok. Moi, bah, je pense que ça doit être ça. Non? Même pas? Attends, elle est où la station de travail? Il est parti où, B12? B12, t'es où, mon ref? Oh, putain de merde. Là, ça sent le roussi, là. Non, ok, on peut pas aller par là. Je sais même pas où il est. Ah, il est reparti, ok. Ouais, cool. Ah, trop bien. Ça, j'avoue que ça fait très, très plaisir. Ah non, mais faut que je l'amène. Ok, putain. Oui, d'accord. En fait, il est en PLS, le pauvre. Quoi de prévu pour ce week-end de 3 jours, Alex? Qu'est-ce que tu vas faire de beau? Et coucou, Mr. Vetsky, comment ça va? Vous êtes dans l'ombre. Je te souhaite toute la réussite que tu vas être gentil, c'est plaisir, mais toi aussi. En plus, je vois que ça marche trop bien en ce moment pour toi, Mr. Vetsky. Je suis trop content. En vrai, ça fait plaisir. Je suis content que tu vois les collègues et tout, ça marche bien. Et en vrai, moi non plus, je lâcherai rien. Je ne lâcherai rien, mais c'est cool en tout cas. C'est cool, ça fait plaisir. Et bien sûr, pareil, j'essaie de faire toujours pareil. Lâcher toujours mes petits lurks, etc. Mais du coup, c'est pas là la station? Frère, comment ça? Comment ça, c'est pas là la station? Mais c'est là! Ça bip rouge, mon ref. Oh putain, en tout cas, c'est gentil. Merci pour le message, ça fait plaisir. C'est adorable, c'est adorable. Oui. Et frère, il est dedans. Ok, bon alors, ça doit pas être là du tout. Mais alors, What Will, t'es pas vieux. C'est entre 30 et 45 ans, c'est un âge on ne peut plus normal. Hein. Ah, c'est peut-être là, alors. Je sais pas. Attends, on va essayer de là. Vas-y. Mais non, mais le pauvre, il me fume. Il est au bout de sa vie, je prépare des... Oh! Mais trop bien! Oh, trop trop cool. Putain, mais profitez bien, là. Pète de burger. Vous allez mettre quoi dedans, dans vos burgers? Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? T'inquiète, on voit les gens qui soutiennent. Nah, c'est gentil, c'est gentil. Bah, après, j'essaye au maximum, tu vois, j'essaie de faire ça. Le problème, c'est que je ne peux plus parler, en fait. En ce moment, sur les streams, c'est trop compliqué, en fait, de parler. Parce que derrière, si je sais que je parle, je vais rester 15 minutes et je peux pas faire ça partout. Donc déjà, au moins, je peux faire lâcher mes lurks et puis voilà, quoi, on essaie au maximum. Mais c'est qu'en ce moment, Twitch, c'est pas forcément, on va dire, une période simple, mais on s'adonne toujours. Par contre, le ref, où est-ce qu'il veut que j'emmène, là? J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Mais non, mais arrête, mais What Will, mais c'est pas possible, réfléchis pas comme ça. Justement, réfléchis que t'as encore plein de moments à vivre, mon ref. T'as 30 et 45 piges, je suis désolé, t'es encore jeune, hein. Tu sais, c'est pas... Vraiment, où est-ce que je dois l'amener? Il m'a dit, je... Ah non, mais c'est là, mais je suis trop con. Mais je suis un trou du cul. Non, mais il faut qu'on se le dise au bout d'un moment, les refs. Je suis un trou du cul.
Je suis vraiment un peu... Non, mais il y a des moments où je suis... tu sais, vous savez, il faut que le temps, ça monte au cerveau et tout. Rien de spécial. C'est cool, toute ma famille. Mais let's go. Mais hey, gros pain, gros festin de famille. Ah, ça, j'avoue que ça fait plaisir. Faut profiter de la mif, c'est très important. Je comprends de ouf, il y a un mois, j'étais à deux doigts d'arrêter. Ouais, mais je comprends, Vitsky. Moi, je suis pas dans un mood où je suis à fond en mode je veux que réussir, tu vois. Non, en vrai, là, je suis vraiment dans un mood où... Par exemple, là, je me suis choqué, mais genre... En ce moment, je ne regarde presque même plus le compteur de viewers. Genre qu'on soit 10, 20, 30. En fait, je kiffe toujours autant. Et ça, avant, ça n'arrivait pas. J'avais toujours cette pression en mode, putain, il faut que je fasse des... faut qu'il y ait des gens sur le stream. Et maintenant, c'est pas que je m'en fous. Au contraire, non. Moi, ça me fait trop plaisir que vous soyez là. Ça me fait archi plaisir que vous souteniez le stream et tout. Mais c'est vrai que j'avais cette hantise limite de regarder le compteur de viewers, quoi. Bon, c'était pas facile. Et là... Maintenant, je suis totalement dans un autre mood, dans un autre aspect où j'ai juste envie de kiffer, de me la donner, de réaliser mes projets et juste de kiffer en stream. C'est vraiment tout ce que je veux et de passer des bons moments avec vous. C'est vraiment juste le but, quoi. Et coucou, soliste! Miaou, miaou, miaou. Je peux voir un vocal soliste avec ça. J'espère que tu vas bien, mon soliste. Mais si, on s'inquiète pour toi, justement, White Willy. Justement, que ça, que du love, les potes, que de l'amour ici, c'est que du love. Exactement, ça va être trop cool. Tu l'avais pas vu depuis longtemps, ta mif, Alex. C'est le principal, ça va le faire naturellement. Mais c'est ça. En plus, en ce moment, je suis en train de préparer du petit contenu sur les réseaux sociaux. Ça arrive en grande forme. Dès dimanche. Dès dimanche, il y a du contenu qui va arriver sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas comprendre. Ça va être banger. Ça va être petit truc story time en mode facecam. Je pense que vous avez kiffé. Enfin, j'espère. Non! Non, B12, mon ref! Et osez me dire, j'ai envie de lâcher ma larme, les refs, là. C'est trop mignon. Mais non, mais on dirait Spook, ça. Ça, c'est Spook quand il vient se caler à côté de moi quand je suis en train de dormir comme une merde. Qui a toute ma force, hein, Vietsky. Hein. Vraiment toute ma force et mon soutien les uns les autres, et c'est ça qui fait plaisir. Mais moi aussi, je vous aime. C'est ça qui est chiant. Vous êtes trop gentils, vous êtes trop mignons. Non, en tout cas, vraiment, merci à tous du soutien. Merci à tout ce que vous faites. Que ce soit vraiment, je vous dis, les partages de stream. Que ce soit des gens que vous connaissez, des potes, etc. N'hésitez pas, les follow sur les réseaux. Tout ça, vraiment, je vous assure que ça fait chaud au cœur au quotidien et ça donne encore plus envie de se battre. Parce que c'est que forcément, avec le boulot, c'est pas simple, mais on s'adonne. Oh là là, let's go! Non, c'est moi qui vous aime. Inversez pas les rôles, bande de petits cons, là. Non, mais je vous vois, vous êtes trop mignons, là. Eh, me faites pas ce coup-là. Hein. Tu me fais pleurer. Non. On va pas chialer, ok? On est des warriors. Mais écoute, très bien, mon solus, quoi de prévu là pour ce petit week-end de 3 jours? Ouais, c'est ça, mais en vrai, que du love, c'est comme je vous l'ai dit ici, c'est genre full safe place, tout le monde se sent bien. C'est juste le but, tu vois, on passe un trop bon moment, on se change les idées, et puis voilà, basta. C'est on kiffe la vie, c'est tout. Et remon, Hydribidou, frérot, que faisais-tu de beau? Et c'est ça, que du love, bordel. Oh, let's go, on retrouve le nouveau monde. Oh là là, on retrouve notre monde. On va peut-être retrouver nos refs. En gros, c'est-à-dire que tous les ennemis sont morts. Donc, c'est-à-dire que c'est la fin du jeu. Je crois. Oh, mais non! Mais je suis faible! Dès qu'il y a un chat, je suis faible, vous comprenez? Je suis très très faible, je faisais mes cochons d'armes. Quoi? Comment ça tu faisais tes cochons d'armes? Bon, c'est cool, week-end, 3... Ah, mais voilà! Mais profite de ton week-end, White Will. De toute façon, profitez bien, vraiment. Et après, si vous voulez, vous avez stream dimanche à midi. Tranquillement, vous avez petit stream dimanche à midi, si ça vous dit. On va faire du Pokémon. Et honnêtement, je vous assure, on va justement essayer de finir Pokémon X avant l'arrivée de la nouvelle génération. Et là, j'ai pleuré mes mains. Mais c'était trop mignon! Oh, mais non, mais en vrai, franchement, le jeu est trop beau, les refs. Le jeu est beaucoup trop beau. Alors, je sais pas ce que je dois faire, ce que je dois... Mais du coup, là, on a laissé B12 parce qu'il est... On est d'accord qu'il est mort. Mais ça me fout la haine! Et du coup, c'est là. Et là, du coup, je vais pouvoir... Et là, c'est open. Oh non, c'est la fin! Mais non! Mais ce jeu était trop bien! Non! Mais en plus, il est mort, Oh non, c'est trop triste! Oh non, mais j'ai retrouvé mes copains! Oh, et si jamais je retrouve mes frères et soeurs, je vous assure, je pleure! Non! Oh non, ce jeu. Non, et franchement, ce jeu était trop bien! Ce jeu, aucune vanne, il était beaucoup trop bien! On l'a fini en 6 heures à peu près! Ah non, je suis désolé, ce jeu est incroyable! Ah, ce jeu est fou, je viens de te répondre sur un... Oh, c'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup à tous ceux qui follow. Mais en gros, c'est comme ça aussi, vous êtes au courant des streams. C'est que je mets souvent des stories, etc. de quand je stream, donc c'est cool. Et puis surtout, je partage ma vie. Hein. Et puis c'est là aussi, si jamais vous voulez parler, Instagram, c'est peut-être l'endroit le plus simple pour discuter. Donc voilà, n'hésitez pas, moi c'est avec plaisir. Je me suis toujours pas remis dans mes B12, putain, le pauvre. Non.
Oh mais c'est trop mignon. Oh, c'est si chou. C'est si chou bordel. Oh c'est incroyablement mignon. Ah c'est sûr. En vrai même demain en fait. Mais même ce soir. En vrai je vous le dis. Et salut Toto. Mais non. Oh le comeback de Toto. Comment il va? Trop triste jamais. Oui trop triste. Mais trop gros le chat. Mais il y a tout qui va. Oh. Mais non mon appart. Mais ils sont où nos frères et sœurs? Attends attends. Est-ce qu'il y a une gêne? Oh non. Et putain, mais non, mais non! Mais non, non, non! Il est fini! Il a fini! En vrai, pour être honnête, franchement, je lui mettrais un 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. C'est vraiment, ce qui est insane, hein? Franchement, pour un jeu, 8 sur 10, je vous mens pas, c'est quand même pas mal. Alors, je mettrais 8 sur 10, parce que pour moi, je trouve que la fin, là, aujourd'hui, le gameplay était très intéressant. Le début était super sympa, le temps de se mettre dans le mood. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y avait une phase de battement entre les deux, qui était un peu chiante. Mais en soi, mais incroyable. Incroyable, ce jeu est ouf. Ce jeu, je le conseille à fond, franchement, 8, mais validé de fou. Un petit 8 sur 10, franchement...